pour le détruire. We kama ulituma kele hukumu nja kuharibisha. Il n'y aurait plus de monde. Aupashe kuwa tena dunia nyingine. Ni de lune. Ao mwezi. Ni d'étoile. Ao nyota. Ni de système solaire. Ao kule kutumika kwa jua na mwezi na biote weye. Tu serais toujours Dieu. Weye, ulipasha kuwa paka Mungu. Alors que le désert. Japokuwa ile jangwa. Les océans sont devenus des déserts. Na ile mitoni yote na kauka na kuwa ni jangwa. Plaira à cause du péché. Iko na riaria juu ya zambi. Tu y es toujours Dieu. We uko paka Mungu. Et qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Sasa mutu ni nani njua Mungu mkumbuke? Pourquoi es-tu si bon envers nous en nous envoyant Jésus ton fils? Juu ya nini uko mwema sana mbele yetu njua kutumia mwana wako Yesu Kristo? Ton fils unique. Mwana wako wa pekee. Afin qu'il meure pour nous. Pour nous sauver de nos péchés. Et puis, dans ces dernières heures de la fin de l'histoire du monde, alors que le monde titube sous l'impact du péché, et que les bombes à hydrogène et les bombes atomiques sont entre les mains des païens, na ile mabunduki la munene ya kuwa batu mumpepo hivi iko mikono ya bapagano. Des incroyants impies qui pourraient détruire le monde entier en quelques secondes. Bale bakutokuamini bale bachafu bale benye batezu kuharibisha hii dunia mumadakika tu kiloko. C'est notre science moderne qui nous le dit. Ni majifunzo yetu ya sasa ndio kunatuambia. Écoutez. Qu'est-ce que la science moderne nous dit? Hii majifunzo ya sasa natuambia nini? Il est minuit moins une. Ya kwamba hapa inakuwa ni bushiku kati kutosha ama dakika moja bure. Minuit moins une minute. Kuna bakia dakika moja ndio bushiku kati bure. C'était minuit moins trois. Ilikuwa kani minuit moins trois. Les événements se précipitent. Ile mamambo yanaendelea. Unakuwa tena ni minuit moins deux. MM. Lakini mbona benyewe sasa? Wanasema oh Mungu. Aujourd'hui. Leo hii. Les bombes à cobalt. Na ile mabombe ile ya cobalt. Les bombes à hydrogène. Ile mabombe ya mpepo. Les bombes atomiques. Ile mabombe ya kwa watu wote kwa moja. Iko mikono ya wapagano. Oh my God. Yenye inaweza kuisha dunia yote mzima. Muma dakika kiloko matibonde kiloko. La science nous dit. Na hii majifunzo sasa inatuambia. Minuit moins une minute. Ya kwamba kuna bakia tu dakika moja. Bushiku kati bweneane mzuri. Misericorde. Il est minuit moins une. Kuna bakia dakika moja bushiku kati bweneane. Oh Seigneur. Oh Bwana. Réveille les hommes et les femmes. La musha banaume na banamuke. Ouais tes ministres, Seigneur. Upakale na upako watumishi wako Bwana. Réveille les hommes et les femmes. We la musha banaume na banaume. We te ministre Seigneur. Bakala ba ubiribako Bwana. Comme des flammes de feu. Savile bimbirimbiri ya moto. Faisant leur dernier appel. Bakiita ule mteule wa mwisho. Faisant leur dernier appel. Bakifanya ile wito ile ya mwisho. Le signe du dernier jour. Hi alama ya masiku ya mwisho. Et puis cela être glorieux. Na kisha ile ipate kwa utukufu. Oh Dieu, oh, où est tes ministres Seigneur? We pakala ba afin qu'il fasse le dernier appel. Juba fanya le wito nous ya mwisho. Sommes à la recherche du dernier élu. Apa tuko natafuta muteule wa mwisho. Si le dernier élu. Kama ule muteule wa mwisho. Entre ce matin. Le anengia subu ya leo. Dans le corps de Christ. Tu es terminé. Yote inaisha. Qui l'entre. Kama ningia tu Tukumama na nasema hivi na mini asema ule mteule wa mwisho ye ni mtu wa Muafrika mweushi. Oh, je crois que le dernier élu c'est un noir. Frère et soeur, n'ayez pas peur. Oh, le temps arrive où nous allons fermer les Bibles, où nous allons fermer les églises. Yenye makanisa yote taifungaka. Alléluia.
Plus rien de jeûne et prière. Hakuna tena kufunga chakula na kuomba. Pas question de prière. Hakuna mambo tena ya kuomba. Pas question de jeûne. Hakutakuwa mambo ya kufunga chakula. Nous serons dans la gloire. Tutakuwa katika utukufu. Il n'y aura pas la vieillesse. Hakutakuwa hata kuzeeka. Il n'y aura pas de rides. Hakutakuwa hata njoroko kwa macho. Hakutakuwa hata kipara. Il n'y aura pas de cheveux blancs. Hakutakuwa hata nyungu kwa kichwa. Tout sera fini. Yote taishaka pale. Un jour. Siku moja. Un jour. Siku moja. Nous prêcherons pour la dernière fois. Tutahubiriaka kwa mara ya mwisho. Nous chanterons pour la dernière fois. Imbaka kwa mara ya mwisho. Nous danserons pour la dernière fois. Tutachezaka kwa mara ya mwisho. Ça sera terminé. Na itashaka pale. Si le dernier élu. Kama ule muteule wa mwisho. Entre. Je anaingia tu. Il pourra entrer ce matin. Ule muteule anaweza kuingia asubuhi ya leo. Alléluia. Miséricorde. Alléluia. Il est minuit moins une. Kuna bakia tu dakika moja bushiku kati bweneane. Maintenant. Sasa, nous avions lu dans Apocalypse, tulisoma tena mkitabu kia ufunuo, chapitre 16, sura yake ya 16, à partir du verset 13, tulianzia mistari yake ya 13, et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, na nikaona kuna toka kukinywa kia ule dragon, kukinywa kia ule mnyama, kuna toka, kuna kukinywa tena kia fanabi wa bongo, il est maro tatu ya buchafu. Semblable à des grenouilles. Yeni kufanana na biula. Car ce sont des esprits de démons. Kwa sababu inakuwa ni maro ya mampepo mchafu. Qui font des prodiges. Yeni kufanya maishara. Et qui vont vers les rois de toute la terre. Na yeni kwenda mbele ya bafalme bote bapa dunia. Afin de les rassembler. Juu ya kupakusanisha. Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Juu ya kwenda kukumbana kule siku kubwa Mungu Mwenyezi. Voici. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Hakabakusanisha pale fashion kuitwa mukebrania Armageddon. Je suis dans le message ta famille. Niko mwile maubiri ya nabii jamalako. Paragraphe 73. Kifungua kama 76. Il dit. Nabii anasema. Qui sont sortis? Il dit. Frère Jimmy lit la question suivante. Portant sur les trois esprits impurs. Duku timieko na soma ile ulizo ni nafuata njia ile mampepo ile ya mchafu ya mampepo mchafu. Anasema ile mampepo mchafu ilitoka mkinywa kwa nabii wa bongo. Dragon ilitokaka mule nyoka munene dragon et ainsi de suite. Na bingine bifatayo. Anasema hivi. Eh bien, mzuri. Nous allons aborder cela maintenant dans notre étude. Voyez-vous, les trois esprits impurs sont les trois ismes. Fascisme. Nazisme et communisme. Na ile communisme. Ce sont les trois esprits impurs. Ile ndio inakuwa maro tatu ile ya buchafu. Permettez-moi de présenter cela sous forme de type pour vous maintenant. Munitikie nipate kumunganisha ile sasa vile mifano hapa kwenu sasa hivi. Et vous verrez où cela a commencé. Na mtaona wapi kwenye ile anziaka. Où cela a débuté. Voyez-vous, il y a eu le communisme, le fascisme, le nazisme. Na nazisme. C'était des esprits. Le communisme est un esprit. Communisme ni ro. Cela vient sur vous, voyez-vous. C'est un esprit. Ce sera quelque chose comme ça. Ce n'est pas vraiment cela. Mais ce sera trois esprits exactement
comme cela. Lakini itakuwa ni ile maro tatu inakuwa vile. Donc ils étaient en quelque sorte les précurseurs. Du pale ilikuwa kama namna ya kutangulia kutangaza. Mais bien sûr. Lakini kweli. Vous savez? Mnajua. C'est dans le catholicisme. Ile iko mukikatolo mnashikia. Mais je pourrais. Na nawezi. Je voudrais comprendre certaines choses là-dessus juste avant de les dire. Na ben napenda nipate kushikia mzumuzi bitu mbele ya kubisema pale mnashikia. Pour être sûr que je sais ce que. Juu ni kwa nahakikisho kusema kwamba najua sema na mais il s'agit de trois esprits. Lakini hapa ni maho tatu. Juste comme le communisme. Iko savi le communisme. Le fascisme. Fascisme. Et nous avons montré cela il y a des années. Na tusha onekanisha kaile kuna kwa mamiaka. Vous savez, rappelez-vous? Munajua na munakumbuka. Je vous l'ai dit. Nilimiambia. J'ai dit que ce serait. Nilisema kwamba ilipasha kuwa. Quelque chose qui arriverait. Kitu kimoya kile kipasha kufika. Tout se retrouverait dans le communisme. Ile fascisme na ilipasha kutikutanisha mu communisme. Et c'est là que ça finit. Na njo kwenye ilishiaka. Ce sera la même chose à ce moment-là, voyez-vous? Non, il est à quoi ne quitte moi moi à moi le wakati le monsieur. Ce sera trois esprits impurs qui sortiront. Il est à quoi il est marrot tatou ya butcha fune tatoka. Réellement, je crois en toute sincérité. Kweli kweli na mini mwatika yote. Vraiment à l'instant. Kweli kweli pa wakati. Juste pour en donner en quelque sorte un aperçu. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, kama amone ko kitu kibaya, si j'ajoute un peu plus à cela, kama naongeza ko kiloko kwa mambo, quand je vais me mettre à expliquer cela, wakati tanza kuonekanisha wazi wazi, eh bien vous direz, mzuri mtasema hivi, vous n'avez pas entièrement expliqué cela là-bas. Ya kama pale aufatilie po mzuri mzuri au takatiche po. Ce soir là. Ile mangaribi ile. Vous voyez? Munashikia. Si je fais cela. Kama minafanya vile. Voici ce que je pense que ce serait. Chikieni na wazia sema linapasha kuwa. Je crois que c'est un esprit. Na mina sema ni roho. La Vierge endormie. Ni ule bikira mwenye kulala. La Confédération des Églises. Ile mkusanyiko wa makanisa manjina. Le judaïsme. Bule buyuda bule. En rapport avec le rejet de Christ. Kufatana kumukatala Kristo. Les Juifs qui ont rejeté la chose. Bale ba Yuda bari katalaka Kristo. Et le catholicisme. Na bule buki katolika. En effet. Mokweli. Vous voyez. Munashikia. Tout cela sort. Ile yote natoka. Cela sort du faux prophète. Ile yote. Ile yote natoka mukinywa kanabii wa bongo. De la bouche du faux prophète. Inatoka mukinywa kanabii wa bongo. Qui était la papauté. Ile ilikuwa kani papa wa Roma. De la bête, voyez-vous. Ya ule munyama munashikia. Et l'endroit d'où tout cela vient. Na fasi yote kwenye kuna tokea. Vous voyez. Munashikia. Où se trouve le fondement. Kwenye kuko ile musingi au mwanzo. Et ce sont les trois esprits impurs. Na inakuwa ni maro tatu ya buchafu. Qui entraîne le monde entier à l'Armageddon. Njo, voyez-vous. Njo inakokota na kusukuma dunia yote muzima mwile vita manaita Armageddon. Et ce sont ces trois esprits impurs. Na ni ile maro tatu ile ya buchafu. Qui entraîne le monde entier à l'Armageddon. Njo inakokota na kusukuma dunia yote muzima mwile vita Armageddon. Alors. Sasa. Alors vous associez directement cela avec les trois malheurs. Na sasa ile munaichanga ku ile maole au mapiko tatu. Alléluia. Ces trois esprits impurs. Hi maro tatu ya buchafu. Nous les connaissons. Tunaijua mzuri. C'est le fascisme. Ni fascisme. Le nazisme. Nazisme. Et le communisme. Na communisme. Mais. Lakini. Il avait été dit. Il disait moi qu'a hivi. Que le fascisme. Ya comme fascisme. Et le nazisme. Na nazisme. Serait englouti dans le communisme. Il itengizwa mu communisme. Amen. Vous êtes avec moi? Mkuna nishikia, mkuna nifuata. Le nazisme, c'est un esprit. Nazisme, ni un esprit impur. Ni ro ya buchafu. Le fascisme, c'est un esprit impur. Fascisme nayo inakuwa ni ro ya buchafu. Le communisme aussi un esprit impur. Ile communisme nayo inakuwa ni ro ya buchafu. En d'autres termes. Muna muna ngine ya kusemelea. Le nazisme. Nazisme. Et le fascisme. Na fascisme. Sont engloutis ou absorbés par le communisme.
communisme. Inaingizwa au inamezwa kwa komunisme. Et au temps de la fin, na mwi wakati ya mwisho, quand nous regardons le communisme, wakati tunangalia bale bako kabitu pamoja, quand nous regardons les rois du nord, wakati tunangalia ule mfano wa Kurusia, nous comprenons qu'en lui, tunaelewa sema ndani yake, il y a le fascisme, muko fascisme, il y a le nazisme, muko nazisme, ces deux esprits impurs, ile marom pili ya buchafu ile, sont ensemble aujourd'hui, iko pamoja leo hii, avec le communisme, na communisme ndani yayo, en d'autres termes, muna muna ngine tunaweza kusemelea mo, c'est le communisme, inakuwa ni communisme. Qui va amener le monde entier dans la bataille d'Armageddon. Mouille bukonville à Armageddon. Alléluia. Et lorsque nous voyons les rois du nord, wakatunaona mfano wa kaskazini, lorsqu'il parle, wakatunaona sema Putin, wakatunatenga, tunajua sema ndani yake, l'esprit empire nazisme, muko roho ya buchafu nazisme ndani yake, le fascisme, muko fascisme iko ndani yake, ndani yake, le communisme, muko communisme ndani yake, leo hii, c'est le communisme qui apparaît, ni communisme ndio inaonekana waziwazi, lakini nazisme na fascisme iko ndani ya communisme, iko ndani yake. Amen. Et ce sont trois esprits impurs. Na hii ni maro tatu ya buchafu. Eh, il dit. Na bien nasema. Maintenant cela est en rapport avec les trois malheurs. Na sasa hii inapatana ningia mapatano na ile mapigo tatu. Vous êtes avec moi? Mon affaire. Le prophète. Kufatana na nabii. Les trois malheurs. Ile maole tatu mapigo tatu. Inakuwa ni vita ya kwanza dunia mzima. Ile ole ya kwanza. Inakuwa ni vita ya kwanza dunia mzima. Yenye ilikuwa kako. 1914. Kwanza ile mwaka 1918. Kufika paka 1918. Ile ole ya pili. La deuxième guerre mondiale. Ile vita ya pili ya dunia mzima. Yenye ilikuwa kako. 1940. Ile mwaka wa 1940. Et termina 1945. Ilishaka mwaka wa 1945. Na ndugu mama anasema hivi. Ya kwamba ile vita ya kwanza ya dunia mzima. Yenyewe ianzaka mwele mwaka 1914. Sasa termina 1918. Na ile mwa inarishaka mwaka 1918. Aba ya yuaka siku ishaka. Nani arishaka ile vita ya dunia mzima dunia mzima? Watu wanaanza kuangaliana. Barikuwa na nyangula na bendera mweupe. Pale barikuwa na bauliza. Juu ya nini mnaacha hii vita? Nous avons eu l'ordre d'arrêter. Tunapata hii amri ya kuacha vita. Or quand frère Branham vient. Japoko wakati ndugu mama anasema alakuya anasema c'était Dieu. Ilikuwa kani Mungu. Qui avait envoyé les anges. Dieu alitumaka wa malaika. Pour dire aux habitants de la terre. Ya kuelezea baikaji wa kongo. Arrêtez. Ya kama muache vita. Arrêtez. Muache vita. Parce que nous devons d'abord tunapasha mbele kuita. Les ouvriers. De la 11e. Pa Musa ya mwisho. Amen. Amen. Et les ouvriers. Na pale bafanya kazi. Qui ont commencé? Benye bari anzaka. Au temps de Paul. Ya Paulo. Ils ont y endenye. Bo bari pata malipo moya. Ils ont travaillé pendant longtemps. Bo bari tumika kwa kati mrefu. Bo bari pata kalipo ya laki moya. Mukila kizazi. Bari pata laki moya, laki moya. Mais à la fin des temps. Lakini kui wakati ya mwisho. C'est un secours. Ile inakuwa ni nyakati mfupi. C'est pourquoi les autres ont dit. Jo kama na benye bari semaka. Pourquoi tu as fait ça? Tu y allais na fanya hivi ni bakuzi. Si benye tulitumika. Nous avons beaucoup travaillé. Tulitumika sana. Wewe unatupatia laki moja ya franga. Aba. Il travaille seulement dans quelques heures. Baba anatumika masaki loko tu. Lakini tunapatia malipo moja moja. Roho Mtakatifu moja moja. Roho Mtakatifu moja moja. Yenye pale pole pokea Roho Mtakatifu moja moja. Tutampokea na sheye. Na njoo ile tuko nayo hapa. Pourquoi? Juu ya nini? La première guerre mondiale. Ile vita ya kwanza dunia mzima. Les gens qui avaient arrêté. Ana batu ndio walisimamisha ni Mungu yeye mwenyewe. Pour rappeler. Juu ya kuita. Les ouvriers. Bafanya kazi. La 11e. Bamuile saa 11. Et pourquoi? Juu ya nini? Tu regardes. Tu mwana sema kwa tazameni. La première guerre mondiale. Ile vita ya kwanza dunia mzima. Ilishaka. Le 11. Ilikuwa kani tarehe ya 11 mwezi wa 11. Musa ya saa 5 ya mchana. Oh Dieu mwema. Oh Mungu. Non, il fallait que Dieu nous envoie un prophète. Il pensait que Mungu atumie nabii. Ça c'est ça que le prophète appelle. Dieu n'a bien naita. Les événements modernes. Mabituki ya sasa. Yenye kuwekwa wazi. Kupitia unabii.
Amen. Les ouvriers de la 11e. C'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leur place. Le monde serait détruit au premier malheur. Il fallait que toi et moi puissions avoir le même salaire. Et la, le deuxième malheur, c'est la deuxième guerre mondiale. Il n'a quoi pile à donner en 1940 jusqu'à 1945. Maintenant, messieurs, Bwana, quel air est-il? Nisaka, nisasa. Maintenant, sasa. Comme il y a trois malheurs, ça veut dire que bientôt. Ça sera le troisième malheur. Itakwani ola upigo ya mwisho ya tatu. Allez, je termine ça. Mushike nisha kusoma hapa. Nabii anasema hivi. Edi? Nabii anasema. Et l'endroit d'où tout cela vient, vous voyez où se trouve le fondement. Il est maraud, il est à Vuchafo. M'avait envoyé la vidéo, j'ai distribué, j'ai donné, et un pasteur a dit, nous y sommes. Le roi du Nord, ils ont attaqué la Pologne. Il y a eu des morts. Vous devez savoir que la Pologne est membre de l'Union européenne. Japo, il y a la charte de l'Union européenne. Non seulement la Pologne est membre de l'Union européenne, mais la Pologne est aussi membre de l'OTAN. D'après leur charte. La première vision, c'est Mussolini qui avait envahi l'Éthiopie et il a pris le pouvoir. Mais il a eu une mort honteuse. Deuxième vision, le dictateur Hitler Adolf. Qu'est-ce qu'Hitler Adolf a fait? Mais il a entraîné le monde entier dans la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Hitler est mort d'une mort mystérieuse. Qui connaît? Troisième vision. Hein?
C'est ce que nous sommes en train de parler. Joe, tu connais ce mélé à papa. Et la voix dit à frère Branham. Na sauti na mwambia ndugu Branham. Surveille le roi du Ya kwamba tazama o keba ange na ule mfano wa kaskazini. Dieu, le Dieu du ciel. Mungu huyu Mungu wa mbinguni. Dia son prophète. Analiza nabii wake. Surveille le roi du nord. Ya kwamba kesha pa huyu pa huyu mfano wa kaskazini. Eh no. Regardons ailleurs. Na chea ya pana tunaangalia basi. Surveille le roi du nord. Wewe angaisha mzuri mfano wa kaskazini. Les informations ce n'est pas un péché. Kufuata mahabari ya dunia ana dhambi. Surveille le roi du nord. Wewe angalisha. Observe le roi du nord. Wewe tazama kesha mfano wa kaskazini. Wakati anashimama. Vous regardez. Tunaangalia anaanza kufanya nini? Nishie mimi kusoma hapa. Et ce sont ces trois esprits impurs. Na hii ni maro tatu ya buchafu. Alors, hivi sasa, vous associez directement cela avec les trois malheurs. Na tunachanga ile kule mapigo au ile mahole tatu. Vous vous rappelez l'autre jour? Munakumbuka ile siku nyingine? J'ai introduit cela, j'ai dit. Nilingizaka na kusema nikasema hivi. Il y a cette dernière plaie. Ya kama kuna kwa ile mapigo saba. Kuna kwa miuri saba. Trois malheurs. Kuna kwa mahole tatu. Et trois esprits impurs. Na kuna kwa maro tatu ya buchafu. Qui viennent à travers cela. Yene kuna kuya kupitia ile. Ok. Mzuri. Anati une autre, oui. Ndiyo muasilia. Est-ce que tu as une autre question? Oui. Eti uko na ulizo ingine ndiyo niko nayo. Un frère lit la question suivante. Nduku moya anasoma ile ulizo ifatayo. Quelle est la signification car le fleuve Euphrate dans la Bible? Mana spirituellement parlant. Ile mana ya ile mutoni Euphrate na manisha nini mukiro wakati unasema vile ndani ya Biblia? Le fleuve Euphrate. Ile mutoni ya Euphrate a toujours été un fleuve important. Ile nakwaka ni mutoni ya kabaila sana. Ce sont des questions qui sont dans ta famille, la brochure de ta famille. Inakuwa ni maswali ni kwa mwile mahubiri jamaa lako. Mahubiri ya nabii. Nabii anasema oui, le frère Euphrate, le fleuve Euphrate a toujours été un fleuve important. Dio ile mutoni ya Euphrate na kwa ni mutoni ya kabaila sana. En effet, mkusema kweli. Le fleuve Euphrate, hii mutoni ya Euphrate occupe une place importante dans la Bible. Inabeba fasi ya kabaila sana ndani ya Biblia. D'abord nous voyons que le fleuve Euphrate cha kwanza tunaona sema ile mutoni ya Euphrate traversé en plein l'Eden. Ile ilikuwa natambukaka ile busani ya Eden. La Bible dit qu'il traversait en plein l'Eden. Biblia nasema kwamba alikuwa anatambuka katikati ya Eden. Ensuite, kisha, nous voyons que le fleuve Euphrate. Tunaona sema hii mtoni ya Euphrate. Était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone. Ilikuwa kani mtoni ilikuwa anatambuka mara moja ile muki ile ilikuwa anatambuka Babylone. Fleuve. Ile mtoni ile moja moja. Voyez-vous? Munashikia? Babylone c'est l'Irak aujourd'hui. Babylone ndio Iraq ya sasa. Voyez-vous? Munashikia? Le fleuve Euphrate. Ile mtoni ya Euphrate. Traversait en plein Babylone. Ilikuwa anatambuka kale Babylone. Oh, Iraq leo. Nous voyons que l'ange a traversé sa coupe sur le fleuve Euphrate. Japokuwa tunaona sema ule malaika alitambuka na ile kikombe yake mule mtoni ya Euphrate. Et là a séché. Naye anaikausha. Di? Nabii anasema pour que le roi du nord puisse descendre. Anaikausha njoo ya ule mfalme wa kazini ashuke. Et je pense que c'est ce qui arrivera effectivement ça se fera au temps de la fin. Na nawazia sema njoo ile tafikaka na itafanishikaka mu wakati ya mwisho. Quand les gens ne voient pas ce qui arrive. Wakati bato wanakosa kuvumula na Afrika. A déjà séché. Ile hii mutoni ya Euphrate isha ukaukaka. C'était si je ne me trompe pas en 2020 le Euphrate a séché. Kama ni kwa ni mwaka wa 2012. C'est pour que le roi du nord. Ndio maana sema njoo mfalme wa kaskazini. Puisse descendre. Ye ashuke pour aller. Njoo ende. Pour aller à la guerre. Njoo ende kumvita. Quand ils arriveront à Armageddon. Wakati watafika kule vita ya Armageddon. Ils doivent juste traverser l'Égypte. Bo banapaswa kutamuka Misri. Pour y entrer. Njoo ya kuingia mo. Juste à travers ces pays. Kupitia ile inchi ile. Ils devront traverser l'Euphrate pour arriver là. Bo banapaswa kutamuka ile mutoni ya Euphrate ndio kufika kule. Mnashikia? Le fleuve Euphrate. Hii mutoni ya Euphrate. Coule aujourd'hui. Iko na maiko na pita moleo. Otau le prophète était en vie Euphrate coulait. Muwakati na nabi Branham alikuwa kama mzima ile mtoni ya Euphrate maiko na yato iko na pitaka. Nous savons cela voyez-vous. Na pia nasema tunajua ile yote mnashikia. El Amazon en Amérique du Sud. Na ile moto ya Amazon kule kwa Afrika Kusini. Le fleuve Amazon en Amérique du Sud. Yeye ni kwa kule kwa Afrika. Yeye ni kwa kwa Amerika. Du Sud. Ya Kusini. Le Nil en Égypte. Yeni na Nile ilikuwa kule ku Misri. Le Euphrate ainsi que oh quel est cet autre fleuve?
Il y a des fleuves là qui se dirigeaient là vers l'Éden. Le fleuve Euphrate, c'est quand c'est grand, a frayé une voie pour que cela descende, voyez-vous? Frayant une voie pour que les rois du nord descendent. Cela se produira au moment de la bataille d'Armageddon dans les derniers jours. Voyez-vous? Ce fleuve Euphrate. Il est mutoni Euphrate. Est-ce tout ce qu'il y avait comme question? C'est tout ce qu'il y avait comme question. Est-ce que vous dites amen? Amen. Dieu donne un signe. Mungu analeta alama moya. Pour que vous sachiez. Dieu mujue mzuri. Que nous allons faire la bataille d'Armageddon. Hapa tuko nenda nikumvita Armageddon. Le fleuve Euphrate va sécher. Hii mutoni ya Euphrate itakauka. Komasa. Je vile atujue. Euphrate a séché. Na Euphrate ishakauka. Frère Branham dit. Tuko pamoja nasema. C'est une route. Ya kama ni balabala. Un chemin. Inakuwa ni njia. Pour que les rois du nord descendent. Ule mfalme kaskazini ashuke. Pour ramener le monde entier à la bataille d'Armageddon. Dieu apeleke na kuingiza dunia yote mzima mule vita Armageddon. Mais comme le Euphrate a séché. Lakini sasa vile mtoni ya Euphrate ishakauka. Le fleuve Euphrate a tari. Ile mtoni ya Euphrate ishakauka. Nous posons la question. Tunaanza kujiuliza. Bwana. Quel est-il? Nisaka ni sasa hivi. Amen. Maintenant, sasa nous parlions de l'horloge scientifique. Tulikuwa nasema tu ya ile saa ya majifunzo ya bata wajifunza hapa. Ce qui a été tiré de l'internet. Na yene ilitosha kule kwa internet. En ce qui concerne l'horloge scientifique ou l'horloge de l'apocalypse. Mambo inangalia hii inangalia saa ya kisayansi au hii ya ufunuo. Écoutez ce qui a été tiré. Mushikeli ni l'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer les dangers qui pèsent sur l'humanité du fait des menaces nucléaires. Na isai banansa kuibalula njia kwenda mbushiku kati na njia kubalula ile mabitu yote nezi kuleta mabunduki ya kuharibisha dunia yote mzima. Des menaces nucléaires. Ile makushambulia dunia yote mzima. Na ile ya kufuatana fuatana ya malari technologique. Na ile ya matifunzo. Le nombre de minutes restant avant minuit est mis à jour après une estimation collégiale. Na ima dakika na bakia kusema busiku kati bweneane niene kuwekewa mkingundi tu hivi kwa watu wenyewe abajulikani bana balisemaka. Depuis le 23 janvier 2020, tangu ile tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2020, l'horloge affiche minuit moins 100 secondes. Inone ile saa yabo inaonyesha sema inakuwa ni minuit moins 100 secondes. 23h58 minutes. Ile inakuwa ni ile inakuwa ni 23h58 minutes. En raison de l'incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminente d'une guerre nucléaire. Ninju ya aba bakongoza dunia mzima benye abana na nguvu sana njia ya kongoza na kuangalisha sana mzuri ima bunduki ya kuharibisha dunia yote mzima. Et du changement climatique. Na ugeuka kwa hii wakati kwa mazira. Retenez la menace de la guerre nucléaire et du changement climatique. Na mchunge mzuri ndani ya mawazo yenu. Kushindwa kuongoza mzuri hii manamuna ya kushambulia kwetu kwa mabunduki na kubadilika kwa wakati. Le 23 janvier 2023. Ile tarehe ya 23 mwezi wa kwanza 2023. L'heure est encore avancée à minuit moins 90 secondes. Na saa iliendelea sana banasema kwamba inakuwa ni minuit moins 90 secondes. Qu'est-ce qui a fait que nini nifanya kwamba les hommes de science dans leur collège aba batu aba bakujifunza munkundi yabo puisse avancer bo batangurishe sa. C'est parce que ninju, il y a une menace nucléaire. Kuna kwa kule kufuatofuata au kushambuliwa kule kwa mabunduki ya kanisa l'Amérique
America a des bombes nucléaires. Iko na leba mbunduki ya kuharibisha dunia yote mzima. La Russie n'en parlons pas. Russia tushiseme hata kusome kwa ya mingi. Iran asa. Iran eko nayo. La Corée du Nord asa. Corée du Nord eko nayo bunduki. Israel asa. Israel nayo eko nayo. La France asa. U France nayo eko nayo. Monsieur. Bwana. À cause de ça, cette menace nucléaire, parce que ce ne sont pas des bombes qui vont laisser les oiseaux en vie. Non, le monde entier sera consumé. Ce n'est pas Dieu qui va détruire le monde. C'est l'homme lui-même. Avec ce qu'il a fabriqué. Ils ont vous savez que l'homme de c'est Pyongyang, l'homme de Corée du Nord, il menace tous les jours. Munajua sema Pyongyang ye eko wakati yote na shambulia. Presque le monde entier, les grandes nations ont des bombes nucléaires. Dunia yote mainti la minene sana iko na leba bunduki ya kuharibisha vitu vyote. Et vous savez que na munajua sema tukwama nasema la Russie par rapport à l'Amérique en ce qui concerne l'armement, la Russie est en avance par rapport aux États-Unis d'Amérique. Na Biblia inasema kwamba kufuatana na kuendelea kwa mabunduki, Russia anakuwa na mabunduki moya mingi sana ya munene kupita Amerika. Maintenant. Sasa. Regardez ce qui arrive. Sikieni mambo ni kufika. À cause des armes nucléaires. Ju ya mabunduki kuharibisha dunia yote mzima, msaki loko. Et du changement climatique. Na ukeuka kwa wakati. Congo solitaire. Congo ilikuwa kipekee. Ya kuleta solution. Nous sommes avec vous au Congo. Tuko na mwe mu Congo humo. Eh? Vous allez entendre. Congo pays solution. Oh Congo ya kuleta jibu. Les gens ne comprennent pas. Bato bashikia atakushikia. Ça veut dire quoi? Maana yake ni nini? Banasema Congo ni chaîne de solution. Oh c'est nous qui sommes la solution. Kaka. Mais c'est un signe aussi. Ile nayo ni alama. Qui montre que yene konesha sema. Il sera bientôt minuit. Wakati kiloko saa itenea katikati ya bushiku. Parce que le monde a pollué l'espace. Dunia isha kuharibisha hii fashi yote ya mpepo. Na hii mauzina. Avec les avions. Na hii maavion. Avec les véhicules. Na hii magari yote. Avec les motos. Na hii mapikipiki. Quand vous passez là, vous avez une moto qui passe qui filme. Una wakati uko pale unapita pale. Regardez la fumée là. Ona ile shimoko ile. Mais c'est ce qui a détruit l'espace. Ile shinyesha kuharibisha mpepo yote ile yulu. Munamna kusema mara nyingine. Nous avons des rayons solaires qui nous piquent très fort. Tunakuwa na ile mwangaza ile ya jua ile kutupika sana. Parce que cette couche là. Jo ile kiwango ile. Qui recevait les rayons solaires? Yenyewe alikuwa anapokea ile miangaza ya jua. Balisha kuyaribishaka kupitia mashimoko yote yaliyochoka pa hii dunia. Il y a des pays industriels, on les appelle les pays pollueurs. Njo kwa maana ile mainte ilikuwa na makampuni ya mingi, banaita sema inaribishaka mpepo. Regardez. Na shikieni. Notre ministre de l'environnement disait. Na ule waziri wetu wa environnement alikuwa anasema il faut qu'on le paye. Banapasha kutulipa shehe hapa. Parce que pour que le monde ici vive. Njo hii dunia yote ishe. Ninjia forêt équatoriale et tout. Ninjia ile kikao si ya Congo. Nous entrons dedans. Kama tulengia mule ndani. Nous coupons les arbres. Tunakata mamiti. Tunachoma makala. Allez, nous sommes de brûler. Et nous allons vivre là-bas. Na tunaenda kuishi mule. Ça n'est fini pour le monde. Dunia yote itafika kumwisho itaisha. Les gens ne voient pas les dangers. Pale bato baone hatari. Pour que ce monde entier puisse tenir. Ju hii dunia mzima isikamane. Que le bassin du Congo soit protégé. Na hiki kao au maaye ya Congo hii ikingwe mzuri. Sinon. Kama na vile. Le monde va brûler. Dunia italungula. Et nous sommes là avec vous. Na tuko hapa na mwe. Congo pays solution. Oh Congo. Incha kuleta jibu. Congo incha kuleta jibu. À cause des armes nucléaires. Ju ya mabunduki ya kuharibisha dunia yote mzima mwa kiloko. Na bale ba viongozi wa dunia. A éradiquer. Hakuna namna ya kusema apate kunyolosha. À cause du changement climatique. Ju ya kugeuza kwa wakati kwa majira. Les hommes de science. Aba ba kujifunza aba. Dans leur horloge scientifique. Muile saa yabo ya kujifunza. Ils sont décidés en collège. Bo bariba mupango mkingu yabo. Qu'il est minuit moins 90 secondes. Ya kwamba hapa nakuwa ni busiku kati kutosha mmo. Apeni qu'il venait de décider. Ya kwamba wakati kiloko bariba mupango. Hier ou avant hier. Jana au juzi kutwa. Le roi du Nord a attaqué la Pologne. Putin anatake ile Pologne. Qu'est-ce que anashambulia.
Mungu nawazia nini sasa? Eti tutakuwa tena wakati mwingi pa hii dunia? Et tout est fini. Yote shakwisha. Si vous n'étiez pas prédestiné. Kama mwe amkoke bateule. Jovile manasema. Ça c'est va. Jovile manasema. C'est comme ça qu'ils ont dû parler, ils ont dû parler comme ça. Jovile. Il dit le 23 janvier 2023, l'heure est encore avancée à minuit moins 90 secondes, ce qui est l'heure la plus proche de minuit depuis sa création. À l'origine, cette horloge évaluait la possibilité d'une guerre nucléaire mondiale en soulignant la menace liée à la prolifération des armes nucléaires. Na kule kumwanzo kule hii saa yabo ilikuwa inaonekanisha namna kani watu walipasha kuonesha vile kulipasha kwa mabunduki baifanye ya mingi sana pa hii dunia. Depuis 2007, tangu ile mwaka 2007, l'horloge prend également en considération les perturbations dues à la reprise de la course à l'armement nucléaire. Na ile saa ile inabeba sana inaonekanisha namna kani ba viongozi wanapasha kukimbilia sana njia kubamba ile mabundi ya kuarusha dunia mwakati kiloko. Et aux nouveaux acteurs qui se joignent aux anciennes puissances nucléaires. Na kubale ba kubeni kufanya mabunduki hapa sasa banajiunga kubale balifanya kama mabunduki tangu zamani. Le risque d'un déclenchement de la guerre par un accident technique, un acte de terrorisme ou une attaque informatique. Ile atari ile yeye banaweza kufanya tu pale bana baamba vile vitu vyenye balitungaka vinageuka au informatique inaingia mule ndani. Le risque d'un déclenchement de la guerre. Na kule ile atari ya kusema vita ikuweko. Par un accident technique. Kupitia tu biombo vitumike mzuri. Un acte de terrorisme. Au ile tendo la kutetemesha watu wengine. Ou une attaque informatique. Au kule kushambulia kwenye kunyia makompyuta yabo. Le problème lié au changement climatique. Ile mambo ile kujiunga kugeuka kwa wakati. Aux hydrocarbures. Ko ile mambo ya mapetroli na bingine. Pétrolier, pétrole, essence, géopolitique du pétrole, ou encore le nouveau développement dans les sciences du vivant qui pourrait infliger des dommages irrévocables. Hao tena hii maendeleo ya batu wenye kuishi yanayoweza kuleta ile bitu yenye akuwezi kwa namuna ya kubitengeneza tena. C'est-à-dire? Ni kusema hivi. Le risque lié aux nouvelles technologies. Inakuwa ni hatari ni kujiunga kuipi bitu yako nafanya fanya. Est-ce que vous dites amen? Eti munetika mina? Amen. Je suis maintenant presque à la fin. Niko sasa karibu na kumwisho. Mon intervention. Écoutez. Mushikie. Précieux frère. Wanduku wapendwa. J'ai tenu à vous dire ça. Nilifikia mkumiambia yeye. Pour que nous quittions la distraction. Juu tuache kulengama. Quand le prophète dit que c'est la fin, nous devons répéter c'est la fin. Kama nabii anasema ni mwisho, turudie paka bila sasa ni mwisho. Et nous ne pouvons pas, nous sommes un peuple à part. Atuwezi ndio shituko taifa ya kipekee. Dieu nous a envoyé un prophète. Mungu alitumia kanabii. Je vous ai parlé ici de cette vision. Nilimwambia kapa njoo maono saba. De trois malheurs. Nilisema njoo ile ole tatu. Premier malheur. Ole ya kwanza. Ilikuwa ni vita ya kwanza tunaita mzima. Ole ya pili. La deuxième guerre mondiale. Ilikuwa ni vita ya pili tunaita mzima. Sasa hivi. Le troisième malheur. Itakuwa ni ole ama pigo ya tatu. La troisième guerre mondiale. Et qui va amener ça? Qui va amener le monde à la troisième guerre mondiale? Qui va amener le monde à la bataille d'Armageddon? Les rois du Nord. Regardez la première vision. Nous avons parlé de Mussolini. Qui avait envahi l'Éthiopie. Il est mort d'une mort honteuse. On a parlé de Hitler Adolf. Qui a mené le monde entier à la deuxième guerre mondiale. Hitler est mort d'une manière mystique. Hitler la troisième vision. On a parlé de troisième. Mais la voix me dit.
observer les rois du monde. Et aujourd'hui, vous avez compris pourquoi la voix disait à Frère d'observer les rois du Nord. Parce que le déisme, le fascisme, nazisme devait être englouti dans le communisme. Il n'y a pas de communisme dans le communisme. Maintenant, Sasa. Il dit, la voix me dit, surveille les rois du Nord. Nabi anasema sauti na mambia. Et vous avez entendu pourquoi? C'est parce que il y a un signe. Le fret devait tarir. Le fret devait sécher. Quand le fret a séché, c'est là où ouvre le chemin pour que le roi du nord descende, qu'il y marche pour conduire le monde entier à la bataille d'Armageddon. Et il y a quelques jours, le roi du Nord a commencé. Aujourd'hui, pourquoi? On dit qu'il est minuit moins 90 secondes. Compte tenu de la prolifération des armes nucléaires, il y a de nouveaux pays qui en fabriquent aussi. L'Amérique qui dit aux gens de ne pas fabriquer les armes nucléaires, lui-même aussi en fabrique. Écoutez, avec les armes nucléaires, ce sont les armes de destruction massive. Ajoutez à cela les réchauffements climatiques. Il y a des forêts. Kuna kwa ile même mapori, des brousses en France. Ata ile mapori mule mu France. Même en Amérique. Là. Ata mu America, mule mu California. Personne n'a mis le feu. Hakuna mtu mwenye alichoma ile kama moto. Une brousse prend feu. Munaona tu pori inaanza kuenda kulungula. C'est le réchauffement climatique. Ile yote inakuwa ni vukutu inapita. Compte tenu de tous ces événements. Kufuatana hii mambo yote mabitukio yote. Les hommes de science. Batu bakujifunza qui avait fabriqué l'horloge scientifique ou l'horloge de l'apocalypse, ils s'étaient assis, ils ont scruté les choses qui se passent dans le monde, ils ont dit maintenant il est minuit moins 90 secondes avant que le monde entier soit consumé. Pele ai dunia yote mzima baichome ichome. Regardez la quatrième vision. Mushikie ile ono ya ine. Elle disait quoi la quatrième vision? Ile ono ya ine ilikuwa nasema nini? Le progrès de la... Il y a des gens qui ne retiennent pas. Mais vous devez connaître la parole. La quatrième vision. Il est ono ya ine. Nous avions parlé. Tulisema kasema. Après la deuxième guerre mondiale. Ya kwamba kisha ile ma ile ile vita ya pili. La science a fait des progrès. Ya kwamba science itaendelea sana. Frère Mamdi, la science a commencé à fabriquer des automobiles, des voitures sous forme d'œuf, sans volant, à l'intérieur, il y a déjà assis, jouant un certain jeu pour se distraire. Je vous dis, aujourd'hui, cette écriture, cette vision est déjà accomplie. Maintenant, la cinquième vision. Badada, nani mwenye nakumbuka? Elle répond. Cinquième vision. Badada, bajibu kwanza. Ono ya tano inasema nini? La cinquième vision ni quoi? Ono ya tano inasema nini? Hein? Je n'entends pas, vous parlez à mi-voix. Est-ce qu'il y a une sœur qui a une voix comme celle de... comme si elle parlait au micro. Koko dada mwiko na sauti ya munene wakati kuna sema hapa yuko sasa hivi anatumikisha kibuyu. Atezi kusema sauti ya yule. La cinquième vision. Ile ono ya tano. A des rapports avec la femme. Iko na mapatano na mke, mwanamke. Les conditions morales. Ile makanuni ya heshima. La femme. Ya mwanamke, heshima ya mwanamke. La femme. Mwanamke. Deviendra immorale. Yeye atakosa heshima. Atel enseigne que. Mwanamke ya kusema. Frère Mamdi, Dokuma nasema,
La dernière image, quand il parle de la vision de l'épouse, la dernière image que j'ai vue, c'est une femme avec un petit tablier ici devant. Condition morale. C'est dans le monde entier. Maintenant, regardez. C'est pourquoi les sœurs qui sont prêtes, que Dieu a appelé pour aller dans l'enlèvement, elles ne portent pas les pantalons, elles ne portent pas les culottes en public, elles ne portent pas les chaussures à haut talon. Dieu est le Dieu de variété. Il est le Dieu de variété. Je ne peux pas mettre n'importe quoi pour devenir bronzé. Non, parce que ma photo est devant Dieu. Quand Dieu regarde, mais ce n'est pas cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'avais pas créé comme ça. Une sœur du message ne met pas le maquillage. Elle ne porte pas les pantalons. Si tu portes encore les pantalons, il est plus tard que nous le pensons. Madame, quel est-il? Toi qui mets encore du maquillage, toi qui portes encore des pantalons, va briller ces choses. Il est temps de retourner. Nous sommes venus de la gloire en transit sur la terre, en train de retourner dans la gloire. Il est temps de retourner, mais tu dois être prêt. L'enlèvement est universel. L'enlèvement est individuel. C'est chacun pour soi. Même si tu as des enfants, c'est chacun pour soi. Quel est-il, monsieur? Frère, quel est-il? Amen. Maintenant, Sasa, la sixième vision. Il est honoré à Sita. J'ai vu une femme s'élever en Amérique. Avec beaucoup d'autorité. Je crois que c'est l'Église catholique. Mais j'ai vu que c'est une femme. Avant l'anéantissement total, en Amérique, une femme sera président. Kwa dunia mwanamke kule kwa Amerika atakuwa rais. Au wa kumfuatia. Vice president. Au wa kufuatia rais. Na? Nous avons vu. Turiona. Aux élections du président Joe Biden. Kule kuchakula kwa ule rais Joe Biden. Il a choisi. Ye alichakula kwa kumfuatia. La vice president. Ule wa kumfuatia rais. Kamala Harris. Kamala Harris. Cette femme. Ule mwanamke ule. Frère Benham avait dit que cette femme-là porterait du violet. Amen. Le jour d'une prestation de serment de Kamala Harris, Kamala Harris, on a vu cette femme entrer. Hey, alléluia. Amen. Amen. Où est Frère Branham? Il est déjà parti. Mais oh, la parole s'accomplit aujourd'hui. Il est né pour montrer que Dieu nous a envoyé un prophète, depuis Enoch jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu un prophète comme William Branham. Vous êtes avec moi? Depuis Enoch jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un prophète comme William Branham. Amen. Amen. Il est déjà parti en 65. Il est parti. Mais c'était 2019 ou 2020. On voit Kamala Harris. Kamala Harris, vice-président. Il est violé. Tu vas faire quoi? On est dans le voilà violé. Oh! Hey! Alléluia! Aujourd'hui, cette vision s'est accomplie sous nos yeux. Monsieur, quel est-il? Bwana ni sakani. Madame, quel est-il? Ni sakani weye. Alléluia. Il est minuit moins 90 secondes. Kuna inakuwa ni usiku kati kutosha mali masegonde makumi tisa. Eh? Non? Ça, c'est la,
la sixième vision. Hii ni ono ya sita. Maintenant. Sasa. Mshikie. Je suis à la fin. Niko kumwisho. Exposé page 313. Maelezo kurasa ya 3 na 13. Dans la septième et dernière vision. Muile ono ya mwisho ile ya saba. J'entendis une effroyable explosion. Nilishikia kuna kwa ile mlipuko vinachomwa. Pour regarder. Wakati nipenda nigeuka ndio kuangalia. Je ne vis plus que des combres. Niliona tu ni shimoko tu. Cratère. Ilikuwa ni shimoko. Et fumée sur tout le territoire américain. Na ni shimoko yote nilikuwa natoka mule mipaka ya Amerika. La 70e semaine de Daniel. Mwile maubiri ile ile wiki ya 212. Et puis après là. 212. Kisha ile, je me suis retourné. Nikageuka, j'ai regardé. Nikaangalia. J'ai vu les États-Unis brûler comme un tas de brésiers. Nikaona umoja wa Amerika inachomwa inakuwa sawa vile makala. Comme un tas de braise. Sawa vile makala ya mingi. Les rochers avaient éclaté. Na ile maibu ile ikaanza kupasuka. Et ça brûlait comme un brasier de bûche. Na ile ikaanza sasa kulungula sasa vile mute yenyewe kulikuwa na choma batacho makala chose, au kitu kikufanana na ile quelque chose il y avait mis le feu au penye baliweka moto. J'ai regardé niliangalia et aussi loin que je pouvais voir. Na vile nilipasha kuangalia tangu mbali niko naangalia elle avait été pulvérisée. Na ile bari vunja kavunjaka. Alors la vision m'a quitté. Na pale ono ikanipotea. Six sur 7 ont déjà été accomplis. Ile maono sita ndio ya saba ishatimilikaka. L'église s'anira-t-elle avant la tribulation? Et kanisa tendaka mbele ile Ezekiel mateso makubwa kifunga kama 172. Et je pense que c'est exact. Na nawazia sema ni kweli. L'ange de la destruction retient la main de la Russie. Malaika wa kule kuharibisha dunia eko na chungilia Russie. Avec les bombes atomiques. Na ile mabombe ya kuharibisha dunia mzima. Jusqu'à ce que l'église soit unie. Paka pale kanisa tajiunga. Comme un seul grand corps de Christ. Sasa vile mwili mmoja sio onekana ya Kristo. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Chitafanaka kitu paka pale utafika. Oh, n'est-ce pas là une assurance bénie? Oh, eta tukupokee ile hakikisho ni kubarikiwa. La fête des trompettes. Ile karamu ya baragumu. 172. Écoute mes amis. Musikie barafiki yango. Nous devrions faire l'inventaire à chaque heure. Tunapasha kuchunguza wakati yote mioyo yetu. Vous ne savez pas où nous en sommes, c'est très proche. Amujue wapi kwenye tuko kwa sababu inakaribia sana. La vraie vigne et la fausse vigne. Et il nous convient de nous examiner maintenant pour savoir là où nous nous tenons. Nous sommes au temps de la fin. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est le temps maintenant de vous mettre en ordre et d'être absolument en ordre. Ni wakati ya kuwa musawa ya kuwa kweli kweli mwapatano na Mungu. C'est le temps de vous mettre en ordre. Ni wakati ya kuwa musawa. Et d'être absolument en ordre. Na kuwa akika musawa. Tukomba nasema. Après la sixième vision. Kisha ile ono ya sita. Quand je me suis retourné. Wakati nipenda kugeuka hivi. J'ai entendu une explosion. Nilishikia mlipuko moja. J'ai regardé. Wakati nipenda kwa nilikuwa naangalia. Sur le territoire américain. Mwile mipaka ile ya kwa Amerika. Il n'y avait que cratère. Kule kulikuwa kama shimoko. Il n'y avait que fumée. Palikuwa kama mashimoko. Il n'y avait rien. Hakukuwa tena kitu hapana ni kulungula tu. C'était détruit. Ilirungushwa. Japo. D'après Frère Branham. Kufuatana ndugu Branham. C'est le roi du Nord. Ni ule mfalme wa kaskazini. C'est la Russie. Ilikuwa ni Russia. Il va bombarder l'Amérique. Jo nyeta pika ile bombe kwa Amerika. La Russie. Na Russia. Va aussi détruire. Itaribisha Vatican. La cité de Vatican. Ile Vatican. Pendant une heure. Ile mudi ya Vatican musa moya tu. La cité de Vatican sera détruite. Na ile mudi ya Vatican yote tatoshwa. Et quand il va larguer les bombes. Na wakati tapika ile kapata yake ile. Pa Amerika. Et le Vatican. Na kule ku Vatican. Cela va entraîner le monde entier. Ile itasukuma dunia yote mzima. Juu. La Corée va aussi larguer ses missiles nucléaires. Juu Corée nayo atapika ile mabunduki yake. La France aussi va larguer ses missiles. France nayo atapika mabunduki yake.
Le monde entier sera détruit. Maintenant, sasa, avant que cela n'arrive, bele yote kufika, entre la septième vision katikati ya ile ono et la sixième, katikati ya ono ya dans ya cet intervalle, pale katikati pale, l'enlèvement doit avoir lieu. L'épouse sera enlevée. Et quand l'épouse sera enlevée, wakati bibi arusi atanyanyuliwaka, le monde va continuer comme batu ça. Les gens vont toujours dire, batu batanda pa kusema, laissez-les. S'ils ont disparu, laissez-les. Frère, il est minuit moins 90 secondes. Regardez ce que les hommes de science ont dit. Permettez le terme. Qui a confirmé ça? Avec l'attaque de la Pologne. Na ile kule kushambulia kwa Polonye. Monsieur. Bwana. Quelle est-il? Nisaka ni kwako weye. Madame, quelle est-il? We mwanamuke mama, nisaka ni kwako. Très bientôt. Wakati kiloko hapa. Avant que les missiles ne touchent la terre. Bele ya ile mabunduki matupata yanguke pa ibulongo. Avant que la Russie bombarde l'Amérique. Bele ya Russie ipate kupika kapata kule Russia. Kule kwa Amerika na ile muji ya Vatican. Pale katikati pale. Dieu va enlever son épouse. Mungu atanyanyua bibi yake harusi. Jesus va prendre son épouse. Yesu atabeba bibi yake harusi. Où seras-tu? Utakwaka wapi? Sans Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu. Où seras-tu? Utakwaka wapi? Toi qui aimes le monde. Wewe unapenda dunia. Tu as écouté la parole depuis des années. Wewe ushashikia kaneno tangu miaka na miaka. Tu ne veux pas prendre la décision. Wewe haupende kubeba mpango. Il y a même des gens qui disent. Kuko watu wengine wanasema kwamba d'entrer dans l'eau. Oh, niko na boka kwenye maji na kufa dada yangu. Tout est fini. Yote shakwisha. Il n'y a plus rien. Hakuna tena kile kinakubakia. Il n'y a rien qui reste. Hakuna kile kinakubakia hapo. Ce qui reste. Ile ni c'est la disparition. C'est l'enlèvement de l'épouse. Est-ce que tu fais partie de l'épouse? Ou bien tu es membre d'église? Les membres des églises ne seront pas enlevés. Qu'est-ce qui va arriver après le départ de l'épouse? Il y aura un feu. Le troisième malheur. La troisième guerre mondiale. Et quand vous serez là, vous vivrez ça. Vous comprendrez que vous n'aurez même pas le temps de porter les chaussures à haut talon. Vous n'aurez même pas le temps de mettre les pantalons à taille basse. Qui veut aller au ciel? Non, on a peine. Quitte la distraction. Attendez-nous les faux amis. Rentrez à la parole. Soyez sûrs. Examinez votre vie. Arrêtez l'hypocrisie. Même si tu fais des choses dans le noir, il y a un œil qui t'observe.